Moi, c'est bon. Et part dans 70 minutes, c'est bon. Bon, ok, attends. Bon, bah, c'est parti pour la brocante 2 en vert. En vert et contre tous, on va trouver les jeux. C'est parti. Tu vois, 3 roues? La plupart sont vides. Malheureusement, ils sont vides. C'est pas le bon, là, c'est trop que vide et vide, vide. C'est vachement fort.
Et c'est parti pour le compte rendu. Alors, bah, il n'y avait pas grand chose, hein. Enfin, de toute façon, dans ces brocantes, tout était soit trop cher, soit j'avais des doutes sur des cartouches, parce que là, il y avait un jeu Mega Drive. Il y avait des beaux titres, mais il y avait des titres qui étaient un peu. Les jaquettes étaient bizarres. Je pense pas que c'était des fausses. Et bien sûr, les prix m'ont repoussé. 30 euros un jeu, j'avoue que de temps en temps, bon. Ça fait mal. Quand c'est des beaux, beaux titres, oui. Quand c'est des titres comme ça, 30 euros, non, on va pas vous grenier pour faire des achats à 30 euros une cartouche sans notice, sans boîte. C'est pas ouf. Donc on va commencer par les maigres trouvailles, hein, vraiment très très maigres. Il hein. C'est une partie, c'est des mangas, il y a un livre et un autre jeu. On commence tout de suite par la première chose et c'est un livre, c'est Bonne Onset, c'est par Greg William. C'est sur le tournage de Meurt un autre jour et en fait c'est les coulisses, hein, tout simplement, les coulisses de Meurt un autre jour, le dernier James Bond de Pierce Brosnan avec Halle Berry. D'ailleurs Halle Berry qu'on voit. Sur la plage, je ne sais pas si je vais avoir la photo là, mais il y a une photo d'Halle Berry sur la plage, la scène, un peu la même scène que comment s'appelle Ursula Andress dans Docteur No. Vous voyez, sur la plage. Bon, je préfère Docteur No, hein, j'avoue. Donc ce film-là n'a pas trop marché, hein, dans un autre jour. Donc c'est sorti en 2002 et le prix c'était 32,95 $ et moi je l'ai payé 30 euros de moins, donc 2 euros, 2 dollars quoi, on va dire. Le dollar et l'euro, c'est pas les mêmes tarifs. Hein. Donc j'ai payé ce livre 2 euros. Autre livre que j'ai récupéré dans la vide-grenier, c'est deux Dragon Ball, le volume 8 et le volume 9. Vous voyez, en mauvais état. Bon, je les ai négociés à 3 euros au lieu de 4. C'est pas mal. Les livres vont pas dans un état 9-9, mais bon, ça fait l'affaire. Hein. C'est pas si mal que ça. Donc j'ai payé ces deux livres 3 euros. Et là, on va passer aux jeux vidéo. Là, c'est un peu plus intéressant, je pense, que pour vous et pour moi, c'est beaucoup plus intéressant. Alors, c'était dans un stand, il n'y avait que des assiettes, des vêtements, c'était rempli de bordel. Et quand même, dans le fond, en fouillant, j'étais pas chaud pour fouiller hein, dedans. Mais j'avoue qu'en fouillant bien, bah, qu'est-ce qu'on voit? On a vu ça. Déjà, ça vous fait signe. Et ça. Et là, tout de suite, vous faites, oh putain, un Pikachu géant. Alors c'est bizarre parce que généralement Pokémon à l'époque c'était plus les jeux qui étaient sortis sur cartouche, mais ils ont quand même fait une édition comme ça hein, avec les CD, pour ranger les CD. Donc du coup c'est une version anglaise d'ailleurs, il est marqué Kota Catch Em All, c'est-à-dire attraper les tous. Et dedans qu'est-ce qu'il y avait? Bah il y avait des jeux PS1 et on commence par le premier Spyro par exemple avec sa notice. Il y a une notice des Razmoket pour leur cinéma. On a le jeu Spyro 3, je crois que c'est Year of the Dragon. On a le Spyro 2 avec sa notice. On a le Croc avec sa notice. On a le Digimon. Bon, alors ça, si c'est intéressé qu'un, on peut faire un échange, il n'y a pas de souci. On a Dinosaur, pareil, si c'est intéressé qu'un, on peut faire un échange. On a le Tarzan avec la notice. La notice de Dinosaur. On a le jeu Razmoket font leur cinéma, il est là. Et on a le Toka Touring Card qui est là en édition Platinum avec sa notice. Et le dernier jeu, ben, c'est le Spider-Man The Edge of Time. Voilà. Je pense que c'est le CD le plus intéressant sur la 360. Il cote un petit peu celui-là, le Spider-Man sur la 360. Mais sinon, dans l'eau, les seuls qui m'intéressent, ouais, en gros, c'est le Spider-Man, le Spyro, en fait que des S, hein, le Spyro 2 et le Spyro 3. Voilà. Tout le reste après, et le Croc à la limite, ouais. Le Croc Mitten. Voilà, c'est tout ce qui m'intéresse. Le Croc, le Spyro 1, 2, 3 et le Spider-Man. Le reste, si vous voulez, les Razmoket, Digimon, Dinosaur et Tarzan. Je sais plus qu'est-ce qu'il y a d'autre. Non, je crois que c'est tout. Ouais. Et le Toka Touring Card. Si vous êtes intéressé, vous me dites pour un échange. Voilà. Donc, c'est tout. Ah oui, j'ai oublié de dire le prix surtout. Cette pochette, j'ai même pas eu besoin de le négocier parce que vu le prix qui m'a sorti, le mec, 10 euros. 10 euros la pochette avec tous les jeux dedans. Donc ça vaut largement le coup. Donc 10 euros la pochette, voilà. C'est tout ce qu'il y avait dans ce vide-grenier. Voilà, c'était vraiment très 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 court. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Il va y avoir d'autres vide-greniers, c'est pas fini, hein, c'est que le début. N'hésitez pas à mettre le pouce bleu, le commentaire, et surtout, abonnez-vous. Ciao.